And I will next give the floor to distinguished representative of Chad on behalf of the group of 77 and China, His Excellency Mr. Pamanga Abbas Malum, permanent representative. You have the floor. Distingué co-président, excellence, distingué délégué, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter ainsi que le co-président pour votre élection et féliciter et remercier les membres du bureau pour le travail préparatoire de notre premier PrEPCOM. Co-président, le groupe de G77 de la Chine voudrait souligner l'importance de la réduction des risques de catastrophes, notamment en ce qu'elle a un impact direct sur la réalisation du développement durable, en particulier dans les pays en développement. À cet égard, le groupe voudrait remercier le secrétaire de l'USIDR pour ses efforts continus de soutien à tous les pays pour la mise en œuvre du premier cadre d'action de Hyogo, HFA1. Le groupe apprécie également les documents issus des travaux des différentes plateformes régionales, de l'examen à mi-parcours du HFA1 et les décisions pertinentes de l'Assemblée générale. Ces documents constituent la base de nos délibérations jusqu'à la conférence mondiale de santé en mars 2015. Madame la co-présidente, permettez-moi de mettre en exergue quelques chiffres sur l'impact économique et humain des catastrophes depuis 2000, où les dégâts des catastrophes sont estimés être dans la marque de 1,3 milliard de dollars américains, 2,7 milliards de personnes touchées et plus de 1 million de tués. C'est pourquoi le groupe estime que la prochaine conférence sur la prévention et les catastrophes devrait livrer des documents de résultats solides qui met l'accent sur le renforcement du partenariat mondial pour s'attaquer aux racines et de la pauvreté et les inégalités sociales, les risques majeurs auxquels les pays en développement sont exposés, renforcer la résilience à contenir et réduire les impacts négatifs des catastrophes futures, permettre l'adaptation aux catastrophes et de fournir des idées et feuilles de route pour guider les stratégies nationales et internationales de développement d'une manière qui prend en compte les défis posés par les catastrophes, y compris leur prévention. Madame la co-présidente, le groupe souligne l'importance d'une organisation intergouvernementale, d'un processus transparent et inclusif en vue d'atteindre les résultats fixés par la conférence mondiale et assurer une appropriation collective de ces résultats. À cet égard, le groupe des G77 et la Chine voudraient réitérer les principales éléments ci-après pour nos discussions et nos futurs travaux. 1. Nous devrons concentrer nos travaux sur la manière de faire avancer la mise en œuvre des politiques et stratégies de réduction des risques de catastrophes, en particulier dans les pays en développement, en reconnaissant l'existence d'un grand écart dans les capacités et possibilités des pays développés et des pays en développement. Une attention particulière devra être accordée aux pays en développement, conformément au principe de Rio. 2. Les résultats de la conférence de Sendai devraient promouvoir un nouveau modèle de coopération internationale pour la réduction des risques de catastrophes basé sur l'horizontalité et la plus large échange d'expérience et doivent comporter un engagement clair avec des mesures de soutien aux pays en développement, notamment les finances, les transferts de technologies et le renforcement des capacités. Plusieurs pays de notre groupe manquent de telles ressources et capacités et, à cet égard, la discussion sur les ressources financières devra prendre en compte les capacités limitées des pays en développement pour faire avancer une approche mondiale inclusive pour traiter le développement, pour faire avancer une approche mondiale inclusive pour traiter de développement, pour traiter de la réduction des catastrophes. L'assurance récolte devrait être encouragée pour la gestion des risques de catastrophes dans les zones rurales. 3. Beaucoup de travail a été déjà réalisé dans d'autres enceintes, à la fois au sein et hors des systèmes, hors des Nations Unies. La cohérence et la complémentarité sont nécessaires
entre le travail effectué dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe et celui accompli dans d'autres processus post-2015, tels que les changements climatiques sous la Convention des Nations Unies pour la lutte contre les changements climatiques et les objectifs de développement durable dans le cadre de l'Assemblée générale, comme nous avons reconnu que chaque processus a son propre suivi. Assurer la cohérence et promouvoir les synergies contribueront à réaliser les approches globales et nationales plus effectives et efficaces dans le contexte de la réalisation des développements. 4. Il existe une masse de travail et de données au sein d'institutions comme l'Organisation météorologique mondiale à travers la plateforme mondiale de services de climat, la FAO, l'UNICEF, le HCR et autres. Un tel travail devant fournir une contribution claire dans la formulation de notre vision post-2015 du travail de réduction des risques de catastrophes sur la base des statistiques nationales. 5. Chaque État a la responsabilité première d'assurer son propre développement durable et de prendre des mesures efficaces pour réduire les risques de catastrophes ainsi que celles qui devraient accroître les dialogues entre toutes les parties prenantes afin d'identifier les obstacles et les opportunités pour construire un environnement favorable aux partenaires publics, privés et d'autres. Renforcer les engagements du secteur privé à intégrer l'évaluation des risques et l'utilisation des informations sur les risques, indécision, faire et pratique. 6. L'institutionnalisation de la résilience de la communauté des approches intégrées dans la planification du développement local devrait être encouragée. Dans le même temps, nous devons continuer à développer la communauté de base de la réduction des risques au niveau local et profiter des connaissances traditionnelles à cet égard. 7. Enfin, les objectifs et les indicateurs de suivi des progrès du nouveau cadre d'action doivent être établis sur une base volontaire et sur les statistiques nationales ainsi que de prendre en compte les différents niveaux de développement des États membres. Il est également important d'éviter un large champ d'application de ces indicateurs possibles afin d'alléger le fardeau sur le développement de l'obligation de notification des pays. Enfin, Madame la Présidente, je voudrais vous assurer de l'engagement du groupe des 77 et la Chine à atteindre des résultats ambitieux à la conférence mondiale, des résultats qui permettront de faire avancer le partenariat mondial pour aider et soutenir la mise en œuvre, en particulier dans les pays en développement. Je vous remercie. I thank you, Mr. Ambassador, for the statement.